Bonjour, je m'appelle Philippe Gallard. Je suis natif de Rougen, passionné par la nature depuis mon plus jeune âge. J'ai joué aussi au rugby, j'ai commencé à Pézenas. Et en grandissant, bien sûr, j'ai eu de la chance. J'ai joué à Béziers, un club prestigieux, et puis aussi à l'équipe de France. Et voilà, je me suis lancé dans la viticulture après pas mal de reconversions. Et donc celle-là, je pense que ce sera la dernière. Le plaisir d'être encore proche de la nature et fabriquer du vin, parce que j'adore le vin. Comme on ne travaille pas le talonnage, je préfère que tu travailles la poussée comme si tu aimais l'adverse. Donc ramène un peu plus ton appui hein, pour te retrouver dans une fente assez convenable pour pousser. Mais tu sais que tu ne viendras pas talonner. Hein. Juste mets l'adverse pour pousser. Je vais me détendre avec des jeunes joueurs de rugby qui ont envie d'apprendre des choses que je connais. Voilà, donc je me régale de transmettre ce que je connais avec passion. Je Fais chier, bien bas. C'est bien. Allez, ça fait mal, c'est bien. Allez, pousse. C'est parfait. Le tour du jeu quand tu es là. Le rugby est intéressant parce que c'est un jeu qui est assez simple. Il faut avancer sur un terrain, en permanence, avec ou sans ballon. Dans la vie aussi, il faut quand même avancer, quoi. Des fois avec des moyens et des fois sans moyens. Donc voilà, il faut avancer et être courageux. Et je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent entre la vie, je dirais la vie civile et la vie sportive. J'ai eu un challenge sportif tellement beau pendant tout le temps, toute ma carrière sportive, de minou jusqu'à la fin de ma carrière, que j'avais besoin d'un challenge, voilà, un grand challenge, faire quelque chose, exister au travers de quelque chose. Exister au travers de simplement une bouteille de vin, voilà, de recommencer un challenge. Et je trouve que fabriquer du vin, pour moi, a été une bonne démarche et une bonne solution. Quand on est passionné, quelque part on est enfant, hein, on s'engage sur quelque chose quand même qui est dur, il faut beaucoup de moyens, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Et comme je vous ai dit, dans le rugby, il faut toujours, c'est un jeu où il faut avancer avec ou sans ballon. Je me suis lancé dans la viticulture sans ballon. Mais j'ai avancé.